Grenoble 10e accueille Guingamp 6e. Les Grenoblois sont en grande difficulté. Ils étaient très haut au classement avant d'enchaîner 6 défaites consécutives. Joseph Sanyang et Pape Meissa Ba débutent la rencontre pour essayer de marquer et de retrouver le chemin du succès. Guingamp de son côté débute avec Picard, Guillaume et El Ouazani. Les Bretons restent eux sur une meilleure série. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Premier ballon d'attaque pour Grenoble et joli sauvetage de Lemonnier. Encore une attaque grenobloise, la reprise de la tête et l'intervention d'Enzo Basilio pour empêcher ce ballon d'entrer dans le but. Belle présence du gardien breton après cette reprise de la tête de Lenny Joseph. C'était un geste intelligent. Mais ça n'est pas passé. Pourtant, Grenoble attaque depuis le début de la partie et ne trouve toujours pas la solution. Guingamp reste plutôt installé dans sa propre moitié de terrain. Encore une action grenobloise. Avec Pape Meissa Ba au départ. Puis cette frappe et encore Enzo Basilio sur la trajectoire. Le gardien de Guingamp a du travail. Mais il arrive à tout sortir. Possibilité pour Théo Valls ici. Le score est de 0 à 0 à la mi-temps. Grenoble a tenté. Petite modification. Nestor remplace Monfray pour la seconde période. Les Grenoblois vont-ils être récompensés de leurs efforts? Ou Guingamp va-t-il parvenir à attaquer et obtenir des occasions? Match toujours assez indécis. Le débordement de Sanyang pour un centre. C'est dévié vers le deuxième poteau et encore la défense bretonne sollicitée mais solide. Dégagement de Sivis comme il peut. Un coup franc pour Guingamp, une balle d'attaque enfin pour les Bretons. Ça traîne dans la surface, l'arbitre laisse jouer. Avec le centre et la reprise sur la barre transversale, la meilleure occasion du match est finalement Guingampèze. Une énorme possibilité pour les Lemonnier, montée de la défense. Il reprend ce ballon du genou et ça termine sur la barre. Grenoble s'en sort bien sur cette action. Et finalement, personne ne parvient à marquer de but dans cette rencontre. Les Grenoblois y ont cru jusqu'au bout. Mais but sur un Enzo Basilio toujours aussi solide à l'image de Ntola. Entrée en cours de match, 0 à 0 entre Grenoble et Guingamp. C'est terminé, bonsoir, Stade des Alpes.